Gordon Deza pour Games Deza TV. Alors je suis avec Antoine Deza, ici à ma droite. Fais coucou. Et voilà, et moi je suis là. Alors beaucoup de choses, hein, beaucoup de marchandises qu'on a ramené d'Ajaccio. Hein, de ici les dons de Draven Astaroth. Ici encore un don de Mika, de notre ami Mika, les achats Leclerc, et on va finir par les achats du Cash Express. On vous retrouve tout de suite après le générique. J'espère que vous nous voyez, nous non. Deux caméras aujourd'hui pour faire cette vidéo. Donc on va commencer par ce sac, comme ça ça libère un petit peu l'espace ici, comme ça vous nous voyez un petit peu. Les dons de Draven Astaroth, notre ami d'Ajaccio. Allez, on essaie de faire défiler assez vite. Ah, ça c'est un DVD vidéo, Too Fast, Too Furious. D'accord. C'est Fast and Furious 2 en fait. Voilà. Vite. Need for Speed Underground. Voilà, sur PS2. Il y a des jeux PS2. Ah ouais? Ouais, ce sac, oui, je crois, ouais. Toka Race Driver. Hein, il m'a l'air complet vu le poids. Ok. Ensuite. Ah mon dieu, ça commence. FIFA. Avec Thierry Henry, le nain. Allez, la suite. Smackdown versus Raw 2007. Smackdown. Voilà. Sur PS2 toujours, encore PS2, dis donc. Sean Palmer's Pro Snowboarder, un jeu de snowboard. Voilà. C'est pas ce qui me passionne le plus, mais ça doit être rigolo. C'est le plus rapide. Alors, oh putain, Ribéry sur FIFA 8, on s'en fout de FIFA 8. Hop hop hop, FIFA 2001 avec Thierry Henry, le nain. Ok. Tais-toi, c'est comme ça. Burnout 2, voilà. Aïe, pas complet, il manque la notice. Aussi. Oh putain, FIFA 6, bon, y a pas Ribéry, c'est déjà pas mal. Putain, qui va jouer à ça? Je sais pas. Non, ça en dessous. Ça, ah, LFP Manager 2004. Eh mais, je sais pas. Écoute, hein, un jour pour faire un lot de la loose, ça peut le faire. Encore un truc, qu'est-ce que c'est ça? LMB Nouvelle Génération. Ah, je pense que c'est le même genre de jeu. Hein, de... Voilà. Ouh, il y a du vent, hein, dehors. Putain. On est mieux dedans. Hein. SmackDown, pareil, 2008, voilà, versus Raw. Comment ça schlingue? Ça a pas schlingué quand tu as pété. Parce qu'en fait, je vous explique. Non, non, t'es quoi? Une minute avant de lancer la vidéo, il largue un P, obligé hein, de mettre du Wizard 7 Cabrio. Wizard 7 Cabrio. Ensuite, les... Oh putain, les Sims, permis de sortir. Premier, Disney Game. Alors celui-là, je pense qu'on l'avait déjà. Need for Speed Most Wanted. Hop, PS2 toujours. Hein, il m'a l'air complet. De toute façon, au poids, on le sent souvent hein, quand ils sont complets. Mal aux yeux dès le début. Mal aux yeux. Alors, GTA Vice City Stories, je crois qu'il y a que la boîte, le poids. Ah non, il y a le jeu aussi. Il y a le jeu, mais il n'y a pas les... Voilà. Il n'y a pas la notice, mais c'est pas grave. Il y a le plan, d'habitude ils mettent un plan aussi. Alors, ah oui, alors ça c'est HS, ah, il m'a précisé. C'était HS, c'est un méga converteur, donc convertisseur pour Mega Drive, pour mettre les jeux étrangers. Et Rocket Knight Adventures, qui plante au bout d'un moment, le jeu se lance, et puis d'un seul coup, il plante. Donc à voir, peut-être à nettoyer, peut-être, j'espère que c'est pas la puce qui est touchée, version Genesis, version américaine. Alors ça, c'est pas un micro, c'est une lampe pour Game Boy Advance, pour la première, parce que la Game Boy Advance n'était pas rétroéclairée, elle était couleur, mais pas rétroéclairée, seule la SP, la Game Boy Advance SP était rétroéclairée. Donc. Du coup, quand tu jouais dans le noir, tu pouvais pas jouer, quoi. Tu pouvais pas jouer, il fallait ça. Voilà, il y avait une petite LED dessus, quoi. Bon, là... Alors là, ça, ouais, bon, ça c'est une manette PlayStation qui a morflé. Hein. Hein, voilà, comme vous. Elle a morflé, comme vous voyez. Ouais. Ah ouais, là je crois que c'est le chien qui a joué avec. Ah, voilà. Des fois, ils donnent des trucs par bon
augmenter ou pas la gameplay? Alors celle-là, en fait, non, elle a un problème de rechargement, c'est une manette PS4. Hein. Mais elle est trop belle, elle est une trop belle. DualShock. Mais vous l'avez la rouge en plus. Oui, mais elle est encore. Ouais, bon, je vais voir avec Marco s'il arrive à ressouder ça, parce qu'apparemment il y a un problème avec le. Avec la fiche de rechargement ici, la prise USB. Ah, deux jeux dans une boîte, mais tu m'as pas dit lesquels, hein? Non. Vas-y, lis. Tu vas pas y arriver. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Galactic Football. Oula, Galactic Football. Oula, ça c'est bizarre, ça. C'est... ouais, je sais pas trop ce que c'est. Un jeu de foot futuriste, très certainement. Chong... Ah, c'est écrit, là. Wong The Legaya. Voilà. Et les Gaïa sur PS1, je connais pas, il manque la notice, mais bon, c'est quand même sympa. C'est quand même sympa. En fait, c'est un jeu japonais, mais avec la boîte plutôt dans le style européen, comme vous voyez, hein, la tranche elle est beaucoup plus épaisse que les jeux Jap habituels. Et bon, il manque la notice, malheureusement. Oui, oh, pas mal celui-là. Ouais. Alors, GTA, une version un peu spéciale. L'édition intégrale comprend GTA 4 et les épisodes de Lost and Damned. The Ballad of the Gay Tony. Ok. En fait, il y a trois jeux. Ah, en fait, il y a rien comme jeu. Il y a pas, il y a que la boîte. Ok. Donc la boîte de GTA 5 Liberty City en édition spéciale uniquement. Ensuite, c'est la boîte de The Last of Us. Juste la boîte, hein, on est d'accord? Oui, la boîte. On voit. Je parie. Assassin's Creed 3, non, il y est. Assassin's Creed 3, bon ça, je pense que c'est assez connu, il n'y a pas besoin d'en parler pendant 3 heures. Oh, Assassin's Creed, il y en a plein. Brotherhood. Ok. Assassin's Creed Revelations. Completo. Voilà. Assassin's Creed 2. Completo. Bon, il me semble qu'on les avait déjà pour la plupart, là, Assassin's Creed, non? Gears of War et Gears of War 3. Okay. Hop, bon, qui sont pas dans leur boîte originale, mais bon, c'est quand même des très bons jeux à prendre. C'est bon jeu. Bedlam. Oui, je l'ai intégré, c'est ça. Ouais. Non, ça, le jeu vient sur PS1, donc voilà, le jeu Bedlam, juste la notice et le jeu et la boîte de Quake 2. C'est la version PC. Voilà, Windows 98-95 de. Warcraft 2 Battle.net édition. Ok, et là dedans vous avez quoi? Command and Conquer les guerriers du Tiberium. Command and Conquer 3 Tiberium. Ok, dédicace. Ensuite Home Run, très certainement un jeu de baseball sur PS2. Ridge Racer, oh pas mal ça, sur PS1. On l'avait déjà, hein, mais bon. Quoi? C'est le premier jeu sur PlayStation. Quoi? Il y a 200 jeux, attends. Street Skater. C'est bon, je peux. C'est bon. Il y a combien à l'intérieur? Je peux expliquer aux gens. Oui, mais il y a combien à l'intérieur? 30 000. Command and Conquer, alerte rouge sur PS1. Ok, on lose. Oh, Oddworld, l'Exode Dave, superbe. Ça me plaît, ça. Même s'il est qu'en lose. Ah bon, reste à trouver la boîte. J'adore Oddworld, j'aime bien ce jeu. L'Exode d'Abe. Alors je crois qu'on avait déjà l'Odyssée d'Abe. Hein, petite pensée à Padge, hein, mon ami Padge qui fait le doublage du personnage de Oddworld. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. C'est bon, j'ai rien oublié. Non. Sur PS4. Ça va défiler en premier. Vas-y, allez, on envoie la sauce. Pour maintenant. Oh, Driver 2, bon, celui-là on l'avait déjà. Hop, les deux CD, comme vous voyez, de Driver 2. Oh, et là ça va. Sans la notice, la boîte en plutôt bon état d'ailleurs. Le fameux disque découvert PS Move, bon ça, voilà, on passe. Allez. Ensuite, allez, FIFA. Ok. PES 2012, on s'en fout. PES 2008. PES 2009. La Coupe d'Afrique de la FIFA d'Afrique du Sud. Voilà, Coupe du Monde. Enfin, voilà, bref, ça on l'avait déjà. PES 2013. FIFA.
12, et je sens qu'ils sont complets. Bon, ça intéresse personne. PES, PES 2011, hein, avec Messi dessus. Messi. Et FIFA 11, j'ai regardé parce qu'il me semble que c'est Hugo Loris qui est là. Hugo Loris que j'avais rencontré un jour à la mairie de Porto avec Hugo. Ouais. Bon, avec d'autres joueurs qui étaient invités. PES 2010. PES 2010, tout le monde s'en fout. FIFA 14, tout le monde s'en fout. PES 2009, mais on l'avait déjà eu, putain. PES 2008, putain. FIFA 13, les FIFA. PES 2008, putain, ouais, en fait, d'accord, j'ai compris. FIFA 15, putain. J'ai mis. Oh putain. C'est une guette. GTA 5 et juste la boîte, mais avec le plan quand même, hein, ça peut toujours servir. Ça l'a mis à l'aide ? Non. Hein ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a du foot encore ? Non. Assassin's Creed Rogue ? Non, sans le jeu, juste la boîte. La boîte. Commence à monter assez haut là, le truc. Socom Confrontations. Ah, complet. Sur PS3. Bon, très bon film. Comment ? Bon film. Ah, oh, Expandables ! J'ai vu Unité deux. Spéciale, j'ai superbe. J'ai vu le 2 ou le 3 moi. Et bah ouais, en plus je l'avais pas en Blu-ray, je crois que je l'ai qu'en DVD, Director's Cut. Je me dis, ah oh, oui, en plus il y est, J'avais peur qu'il y ait que la boîte. Imagine. Hein ? Avec Stallone, Sly. Meilleur que FIFA. La boîte bleue, une boîte bleue, ça de remplacement, ça peut toujours servir. Alors ça, je pense que c'est juste des boîtes, voilà. Hein, Professeur Layton. Hein, la boîte de Pandore de Professeur Layton. Hop, allez, on met là-dessus. Hein, Maison du style sur 3DS, il n'y a que la boîte, tant mieux. Hop, ensuite, Madagascar, hop, c'est vide, il n'y a que la boîte. Hop, et puis vous me voyez plus là. Nintendogs. Toi par là plutôt. Nintendogs, il n'y a que la boîte. Oui, après on vous explique ce que c'est le bordel qu'il y a derrière. Fort Boyard le jeu. Enfin, je crois que je l'avais déjà. Voilà, juste la boîte. Fort Boyard le jeu sur DS. Art Academy, je crois qu'on l'avait aussi sur. Sur DS, oh là là, on a fait une belle pile là, dites-moi. Oui, je me souviens. Oh maman. C'est ça, My Baby Boy, mon bébé à moi. D'accord, ça c'est des jeux pour les jeunes mamans. Marche avec moi, quel est ton rythme? Oh mon dieu. Oh, il y a le jeu. On va pouvoir marcher hein, avec notre DS. Marche avec moi. Ça va nous donner envie de marcher hein, en ces temps de confinement. Léa Passion. Léa lequel celui-là? Léa Passion Collection. Alors là vous avez Vide Fashionista, BB 3D et Mode 3D. Super, merci. Léa Passion. J'espère qu'il n'y a que la boîte. Il n'y a que la boîte en effet. Comme ça, ça me servira peut-être de boîte de remplacement. Ensuite. Oh Barbie. Barbie Dream House Party. Hein, sur 3DS. Barbie. Là aussi. La maison du style, ouais, ok. Meilleur pour la fin, même si c'est... Voilà, sur DS, il n'y a que la boîte et meilleur pour la fin. Ah, heureusement. Mais c'est pas la fin. Hein. Zelda Phantom Hourglass. Hein. Phantom Hourglass de... Voilà, Zelda. Attends, je regarde juste quand même. Non, il n'y a pas le jeu, ça m'aurait étonné. Il n'y a que la boîte. Lui, il est... Là, ça va se casser la gueule. Non, Wii Fit. C'est rempli. Hein. Wii Fit, ouais. Wii Fit plus complet. Oh, Je crois que tu devrais arrêter. Combien il y en a? Il y en a beaucoup encore? Non, on finit. Hein? On est des fous. C'est pour toi qui es un fou, moi on je suis pas fou. On s'en fout. Oh putain. Sing it. Ok, sing it. C'est Piz ou quoi? Putain, je suis en train de défoncer Quake 2. Vas-y, envoie la suite. Dirt 3.
Je peux pas ouvrir. Que la boîte. Que la boîte. Que la boîte. Ouais, lui il est rempli, j'espère. Oh, un Zelda. Bon, on l'avait déjà, un Skyward Sword. Il y a déjà 9 Zelda. Complet en plus. C'est cool. Meilleur pour le faire. Alors, soi-disant, en plus, il y avait cette histoire-là, comme quoi c'était l'édition spéciale, hein, qui était un petit peu dorée, on va dire. Mais en fait, elle était moins rare que l'autre version, avec la jaquette blanche. Ils ont sorti plus de collector que de non-collector. Le meilleur pour la fin, pour moi, si ça fait tomber la pyramide. La tour. Si on fait Jenga. Ah, PES 2009, PES 2009. On va voir si la tour Jenga va tenir. Hop. Allez, remets tout là-dedans. C'est bon, c'est fini là. Bah oui, j'ai la fin. 9 PLV quand même, presque 10. 9 PLV qu'on rentre également. Donc il y a une PLV de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Kirby. Quoi, je vais le mettre là-bas. Ouais. Kirby. Il y a deux Mario et Lapin Crétin. Il y a un Far Cry 5 et deux Hyrule machin. Allez, alors voilà, c'est le plus gros. Alors il n'y a peut-être pas que des jeux dans celui-là. Il n'y a peut-être pas que des jeux. Tu arrives, t'en sors? Je suis plus petit. Mais non, on n'arrive pas à savoir si c'est. Allez, t'as qu'à manger de la soupe. Non, c'est bon. Alors. J'ai joué aux deux. Pikmin. Alors celui-là, je ne connais pas, mais toi, tu connais. J'ai joué au 3. Le 3 sur quelle console? Wii U. Sur Wii U? Ouais, c'est pas le jeu. Et vous l'avez toujours ou. Le jeu? Ouais. Sûrement. Oui, sûrement, oui. Alors, trop bon, sans la notice, malheureusement, mais c'est pas grave. Ah oui. Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est vrai. En Kinect Adventure, bon, ça c'est le truc voilà, classique qu'on retrouve avec tous les Kinect. Je ne vois pas ce que j'ai dans le fait, hein, si tu veux savoir. Alors, Need for Speed Underground, PS2, qu'est-ce que tu as dit? Je vois pas ce que je te donne en fait. Hein. Ah, d'accord, bon, c'est pas grave, on les regarde au fur et à mesure. PS2, Splinter Cell, Pandora Tomorrow, completo. Alors, ça c'est un double jeu, il y a Indiana Jones, Lego et Kung Fu Panda. Ah, sur bon. Xbox 360 et il est completo. Attends, c'est vraiment ça. Dance Central nécessite le capteur Kinect. Un jeu de danse. Non, c'est juste la boîte. Juste la boîte de Dance Central. Ok, FIFA 12, FIFA 8 avec. Non, Il s'ennuie, ils vont zapper sur les autres là. Ils vont aller chez Kirby ou je sais pas quoi. FIFA 13. FIFA 13, on s'en fout. FIFA 10. FIFA 10, on s'en fout. Sur Xbox 360. PES 2009. Sur Xbox 360, on s'en fout. Ah, on s'en fout un peu moins. NBA 2K15. Oh, c'est une édition un peu spéciale. D'habitude, c'est pas comme ça. Musique sélectionnée par Pharrell Williams. Meilleur avec Kinect. Ah bon, on peut jouer au Kinect avec. Quoi? Elle est de mon temps. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah non, c'est Batman. Okay. Bah alors Batman Arkham Origins, le disque 1. Attends, est-ce que t'as vérifié si autant c'est pas des FIFA? Ah autant c'est pas des FIFA. Ah tu veux que je les vérifie tous? Non pas tous mais. Ça t'inquiète, sur ça ils vont jamais se tromper, ils vont pas te mettre un Zelda dedans. Ça okay. Tu peux être sûr. Allez c'est bon, renvoie la suite, allez. Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Supreme Commander. On dirait un espèce de. Transformers. Mais sans, voilà, sans le jeu, malheureusement. Voilà, Supreme Commanders. Alors, Bully Scholarship Edition. Après, pas Bully. Bully. Et il est complet avec un poster ou un plan, une map, j'en sais rien. Ok. Déjà, les croire à la fin. Ah, Tom Clancy and War et Gears of War 3. Ah, bah, c'est bien. On l'avait en loose tout à l'heure. Du coup, là, il y est. Ah là, c'est un exemplaire promotionnel. Regardez, c'est marqué là. C'est que tout le monde s'en fout. Ce Tom Clancy and War, je crois qu'on l'avait déjà. Sur Xbox 360 également. Battlefield 4. Battlefield 4, bon voilà, c'est un classique. Ah, rien de. Extraordinaire. Oh, un petit crash. Il est vide, je pense. Hein. Ah merde, il est vide. Et sans notice, donc la boîte de Crash Génération Mutant. Génération Mutant. Dommage.
Perfect Dark Zero. Oh, bien, il est completo. Voilà, donc un jeu exclusif sur la Xbox 360 quand même. Ninja Assault, un jeu de Namco. Tiens, je connais pas ça. Ça peut être sympa. Donc c'est un espèce de jeu d'arcade au pistolet, comme vous voyez, enfin comme vous voyez pas. Mais voilà, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Moi, ça me plaît. Namco, j'aime bien. De bons trucs sur PS2, donc NHL 07. Mais des bons. Bon truc, là je vois. Mais d'empêcher dans super état, vas-y, on voit. Oh, Grand Tourisme Concept. Ah ouais, 2002, Tokyo, Geneva. Tokyo, Genève. C'est le bon. Ouais, c'est le bon jeu. Bon, il n'y a pas la notice, mais la jaquette est sympa, un petit peu chromé, là, effet chromé, c'est pas mal. Bullet Brothers. Max Payne. Max Payne, The Fall of Max Payne. Max Payne 2. Max Payne. Bon, je sais pas si les bons trucs à prendre. Ah, Taxi 3 sur PC. C'est pas mal. Ça peut être rigolo, ça. C'est plus apparemment un jeu de voiture. Bah oui, taxi, tu vas me dire en même temps. Ça peut être un jeu de moto. MX versus ATV Unleashed, donc un jeu de trial. Ouais, il y a un peu de tout, il y a de la moto, il y a du buggy, du je sais pas quoi. Bref. iToy Play 2, voilà, hein, pour profiter de cet accessoire sympathique qu'est l'iToy, la petite caméra. WRC World Rally Championship, ça a l'air pas mal, petit jeu de voiture sympa, c'est bien parce qu'on a toujours notre simulateur automobile qu'on essaye de mettre à disposition lors des journées. FIFA 07, on s'en fout. FIFA 12, on s'en fout. Splinter Cell Pandora Tomorrow sur PS2 en édition Platinum, il a l'air complet vu le poids. Alors, là... Ah, je peux pas porter là, maintenant, que j'ai pas porté. Au moins, montre-nous un petit peu ce qu'il y a. Bon, j'en porte un, j'en mets un. Attends, mets-le là, on le montre à la caméra là-haut. J'en mets, attends, prends un seul. Un, mais en fait, il y en a plusieurs. Alors, explique, qu'est-ce que c'est? C'est une Wii, t'as l'air le plus haut que je pensais. Oui, on a mis du béton dedans. Et encore, il manque le capot. Hein. Bon, elle a pris un petit coup. Mais les Wii, c'est très très intéressant. Bon, actuellement, c'est pas la console la plus recherchée. Hein, comme c'est la console la plus vendue dans le monde, ça reste une console qui est pas très demandée, qu'on trouve assez facilement en vigrenier, même si des fois les prix sont abusés sur les vigreniers. Mais donc là, il y en a combien? Il y en a combien que tu les as comptés? Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7! Donc nous avons 7 Wii sans rentrer. J'en préférais qu'il y en ait 8. Est-ce que t'as pas eu? Ah non. Dommage. Parce que s'il y aurait eu 8 Wii, ça aurait fait 8 Wii. C'est pas facile à dire, 8 Wii. Mais peut-être qu'avec le carton suivant, on va avoir les 8 Wii. Non, pas 8, c'est 40. Tu es quasiment pas sorti. Allez. On le voit. Ça y est, on commence à nous voir. On le voit. Enfin, déjà, c'est pas mal. Alors, mets le carton stratégiquement, on va dire, pour cette caméra. Caméra. Voilà. Alors, Mika, merci pour ce carton. Hein, il nous fait don de 2 Wii, justement. Donc, ça fait pas 8 Wii. Et 9 Wii. Ça fait 9 Wii. J'aurais préféré en avoir 8. Alors, qu'est-ce qu'on a? Entre autres, un volant Wii. Volant Wii officiel. Quand j'étais petit, je jouais à ça, mais ça me paraissait grand. On dirait. Ah oui, c'est ridicule. Ouais, maintenant. Un autre volant Wii noir, mais celui-là, c'est pas un officiel. Il n'y a pas marqué Wii. Quand il n'y a pas marqué Wii, c'est pas officiel, non? Si? Oui? Non? Oui. Non. Dans les tous, il y a écrit Wii. Officiel, du coup. Non, mais il faut qu'il y ait écrit Nintendo ou Wii dessus. Là, il y a écrit Wii, c'est bon. Non? Non, là, oui. Ici non, mais ici c'est juste du bon. Non, ça, en fait, ouais, ça c'est du Big Ben ou un truc comme ça. Allez, on voit la sauce. Beaucoup de câbles là, je sais pas comment faire. Ouais, tu te sers. Hop, ça c'est le câble vidéo de la Wii. Un Nunchuk. Oh, un Nunchuk! Les Nunchuk! Oh, ça c'est bien ça. Ah, oui, ça c'est bien. Ça c'est bien ça, les manettes Wii comme quoi, ça. Tu peux faire ça. C'est Wii ou Wii U? Oui. Oui, non, oui, oui, c'est oui. Oui, 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 oui. Oui, la manette. Alors, ça, c'est. Ah, ouais. Bah, là, une Wiimote. Avec en plus, avec la. Avec le cache. Avec le cache, enfin, la protection noire. Ça, c'est bien, c'est pas courant la protection noire. D'habitude, elles sont toutes en transparent. Ou blanc. Encore un volant, oui. Ok.
Encore une manette. Oui. C'est cool ça. Ça c'est cool. Bon, à brancher sur la Wiimote, c'est ça qui est un peu chiant. Faut à chaque fois la brancher sur la Wiimote. Mais bon, moi je préfère jouer avec des manettes comme ça. Fait exprès, je l'ai enlevé. Non, mais ça c'est pas grave ça. Ça se remet. Hein, hop. Ensuite. Bah, tu dis ce que c'était moi. Bah, c'est une Wiimote. Voilà, tu peux pas le dire. Bah, je l'ai pas dit, mais bon, ça coule de source. Et voilà, alors ça c'est le récepteur pour la Wiimote. Regarde. Ça sert toujours. Ça c'est une texte. Hein. Une Wiimote avec une batterie japonaise. Ouais, bon, une Wiimote avec ouais, une étiquette japonaise derrière. L'officiel, hein, Nintendo. Hein. Alors ça, c'est des disques durs, il m'a expliqué, des disques durs pleins de jeux. Attends, non. Quoi? Ok, pour les disques durs, faut pas les détacher. Faut pas les débrancher. Parce que sinon, t'as plus le jeu. Mais il est débranché de toute façon. Non, il est pas débranché, il est encore collé à la Wii. Non, bouge pas. Mais non, mais c'est... Mais t'es fou. Je veux savoir encore ce qu'il y a comme... Un nunchuk un petit peu mangé par le chien. Voilà. Merci les jumeaux. Un nunchuk complet noir. Et à manger. Un peu mangé par le chien aussi. Bon, voilà. Japonaise en plus. Prenez le boucle. Ça. Non, débranche. Mais je débranche pas. Allez, c'est bon. Ça, c'est important, ça. On va laisser remarque, dessus. Remarque, ça, c'est important, ça. Oui, c'est le récepteur des Wiimote. Alors, il y a un jeu, c'est quoi ça? Anubis sur Wii. Anubis, ça va piquer. C'est la poussière. Bon, alors on ne débranche pas. Encore une Wiimote. Ça, c'est quoi ça? Mais ça c'est l'adaptateur Xbox 360, il me semble. Et ça c'est quoi ça? Ça qu'est-ce donc? C'est quoi donc? Alors on dirait un espèce de hub. Qu'est-ce qu'il y a au bout? Un truc USB. Ouais, ça a l'air d'être juste un hub. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Alors pour moi c'est un hub. Mais c'est peut-être autre chose, peut-être pour recharger plusieurs manettes, j'en sais rien. Mmh. Ou pour brancher plusieurs manettes. Bon, après voilà, c'est des accessoires Wii. Hein. Oui, ça c'est un câble Wii. Oh, mais il est couleur. Bon, et les deux machines sont au fond. Et ça c'est une alim, bon, qui a rien à voir. Ça c'est une alim. T'as montré le jeu ? Hors sujet. Ouais, le jeu je l'ai montré, c'est bon. Bon, allez. Et il y a deux disques durs voilà, qui ne sont pas débranchés parce que sinon il devient fou l'autre à côté. J'ai fait l'erreur. Non. Avec Zelda. Ah, mais Breath of the Wild. Ouais. Bon, voilà. Moi, c'est moins long. On le laisse là-bas, ça te gêne pas là si je le laisse là? Ouais, pas moi, mais genre la table va tomber. Alors. Non, pas la table. On va commencer par ceci. Vous ne voyez toujours pas, mais c'est pas grave, vous n'avez pas tardé à me voir. Ça j'ai commandé sur Rakuten Alone in the Dark 2 en DVD. Donc c'est un film. Fatal Fury, donc le premier film Fatal Fury, enfin film dessin animé, film en animation, voilà, en VHS, parce que je collectionne aussi les VHS de films inspirés de jeux vidéo et manga. Cobra Space Adventure, alors celui-là je connais pas, c'est une cassette vidéo également. L'univers mythique de Cobra, bon, alors ça a l'air d'être deux épisodes sélectionnés, non? C'est ça? Je sais pas vraiment. Donc, voilà. Là, ici, vous le voyez au-dessus, c'est un jeu PC, enfin deux jeux PC, deux en un, Lens of Lore et Les Chevaliers de Baphomet. Il est complet et en super état, qui m'a été donné par un ami que j'ai aidé, hein, un ami Mario d'ailleurs. Des baphomètres, ça s'appelle les baphomètres. Combien tu as eu là au baphomètre? Allez, attends, enfin on dit. Ouais, appelez le numéro en dessous, hein, comme d'habitude. Allez, ça, découverte, vas-y. Ah ouais. J'ai cédé, vous l'avez vu dans la précédente vidéo peut-être. C'est énorme. Alors c'est une mini pop mais géante. Shaquille O'Neal. Non, je rigole. Elle est grande comme Shaquille O'Neal. C'est la pop Michael Jordan. Je sais pas qu'elle est aussi énorme. Impressionnante. Alors bon, oui, c'est comme moi. C'est une pop, on aime pas.
Alors ça c'est les, ouais, c'est les Jordan 11 Concorde qu'il a au pied. Hein. C'est les Concorde, celles qu'il a eues lors de son retour à la compétition en 96, si je me trompe pas. Il les a sorties juste pendant les playoffs 96. Elles lui ont pas tout de suite porté bonheur, ces chaussures, hein, parce qu'il s'est fait éliminer par Orlando. Et l'année suivante, par contre, il a tout cassé avec ses godasses. C'était en 95-96 qu'il a tout cassé, ouais. Je crois que j'ai les tests, je suis pas sûr. Alors, elle est impressionnante, je sais pas si vous voyez assez bien. Je l'ai pas ouverte encore, hein. J'hésite encore à la sortir, hein, je sais pas. Bon, après, il n'y a pas de scotch, hein. C'est ce qu'il y a, l'avantage des pop, c'est que même si vous l'ouvrez, bah, ça reste neuf, quoi. C'est pas, tant que vous jouez pas n'importe comment avec. C'est joli, hein, quand même. C'est impressionnant, hein. C'est une très très belle pièce, donc achetez au Leclerc Baleone pour 39 euros. C'est c'est trop joli. Non, qu'est-ce que tu en penses? En échange, je te donne ça et tu me prends l'épée. Et tu passes l'épée. C'est quoi cet échange à la con là? Non, ça va. Les deux, tu les as payés, mais je fais un échange. Mais surtout que tu échanges avec des trucs qui m'appartiennent. Oui, voilà. Oui, voilà. Oui, oui. Allez, on finit avec. Ça c'est le ticket de caisse. Regardez, là, le ticket de caisse, je peux presque me faire une écharpe avec. Alors j'ai acheté beaucoup de choses au Cash Express d'Ajaccio, hein, que je remercie vraiment du fond du cœur parce qu'ils m'ont fait des petits cadeaux très très sympas. Et ouais, il y avait des réducts aussi sympas, il y avait un jeu PS3 offert du coup sur les 3. Après j'ai acheté plein de vinyles, pareil, il y avait des promos sur les vinyles, ils me revenaient à 25 centimes les vinyles. Ce qui est impressionnant. Bon, je vais pas vous les montrer. Pareil, j'ai pris plein de DVD. Pareil, il y a des offres aussi sur les DVD. Enfin, allez voir, parce que c'est l'occasion, justement, de se faire de bonnes occasions. Et surtout que, bon, les ventes de DVD et de Blu-ray, ça, on sait qu'elles sont en baisse. C'est énorme. Bon, ça a tendance à disparaître des rayons des supermarchés et des magasins spécialisés. Hop là, voilà, on recentre un petit peu, c'est mieux de temps en temps. Et donc voilà, pour ceux qui sont fans de films matériels et jeux vidéo matériels physiques, hein, allez au Game Cash ou achetez du neuf. Et achetez. Allez, on y va, c'est moi qui suis, quoi. Allez. On commence par un film que j'ai eu. Bon, je vous montre que ce qu'il y a en rapport avec les jeux vidéo, hein, parce qu'évidemment j'ai acheté plein de films qui n'ont rien à voir. Dead or Alive. Hein, hop, vous voyez. Dead or Alive, qui est une adaptation, paraît-il, parce que je ne l'ai pas encore vue, paraît-il assez bonne, hein, du jeu. Hein, comme l'actrice qui est assez bonne sur la jaquette. Alors, trois jeux que j'ai acheté PS3. Ninja Gaiden Sigma. Hop, que vous voyez là. Ah bah, 7,90€. Ça c'est PlayStation All-Star Battle Royale. Alors c'est un jeu de Battle Royale avec plusieurs personnages de la PlayStation. Ah ouais. Donc ça, voilà, pour la curiosité je l'ai pris, bon, pour 4,99€. Mais en fait celui-là était offert. Ah ouais. Ah ouais. C'est que des jeux de combat entre héros. Soul Calibur 5. Ouais, bah écoute, c'est pas mal. Soul Calibur 5, celui-là je crois pas qu'on l'ait eu, donc voilà, je l'ai pris pour 6,99€. Non, ça c'est le Psycho Fox, non? Psycho Fox pour 10€. Psycho Fox sur Sega Master System. Un bon petit jeu de plateforme sur Master System qui vient bien et que je n'avais pas sur cette plateforme. Faut que j'en passe avec ça. Sur PS1, 4,99€. Alien Trilogy. Ah, moi qui suis fan à fond de la licence Alien, il manque la notice, mais quand même, c'est quand même sympa de le rentrer. Il est un tout petit peu poussiéreux, mais pareil. Le pare-choc. 005 Racing. L1R1, pas mal. Triangle, rond, croix. Alors je suppose que bon, c'est un petit code ou quelque chose comme ça. Alors 007 Racing, un petit coucou à Paul François. Dès que je rendurai 007, hein, je pense à Paul François, notre ami 007 Corsica. Un jeu de bagnole, donc de course de bagnole, enfin de poursuite plutôt, hein, poursuite de bagnole de James Bond, issu de James Bond. Voilà, de l'univers James Bond. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de voir le truc au fond. Qu'est-ce que t'as acheté?
Qu'est-ce que je suis fou, hein. Desert Strike sur Mega Drive en version Jap. Hein. Jap, bon, comme j'ai l'adaptateur, il n'y aura aucun souci. Malheureusement, sans la notice. Et, qu'est-ce que c'est? Alors, ah oui, un petit Robotech sur Game Boy Advance. Voilà. Ça mange pas de ping, comme dirait Boya. Et pour finir, allez, le dernier truc, quand on en parle plus. T'as un peu honte. Pourquoi j'aurais honte? Une PS2 Slim rose. Tout à fait, une PS2 Slim rose, c'est pas courant non plus. Ouais, c'est pas courant ça, ouais. Alors, elle était en vente à 29€. J'ai demandé s'il y avait la manette rose avec. Et il n'y avait pas la manette rose. Et j'ai dit, bon, alors ça m'intéresse pas. Il me dit, après, si je vous la fais à 20€ sans la manette. Oui. Ah, j'ai dit, finalement, allez, je la prends sur le coup parce qu'elle est en assez bon état. Bon, à part ces autocollants à la con là. Players, République, priorité aux joueurs. Voilà, j'essaierai de les enlever. Pour moi, ça m'intéresse pas. Non, elle était en plutôt bon état, sachant qu'à la base, tu vois, elle était quand même à 34,90€. Elle avait déjà baissé, et là, il me l'a fait à 20€, avec toujours la garantie de 6 mois que vous offrent les magasins Cash Express. Donc voilà, bon, reste à me trouver la manette, la petite carte mémoire rose. Alors, le câble vidéo, j'en ai un rose, justement, ça tombe bien. Hein, donc on pourra le mettre dans le pack. Et la lime, bon, j'en ai. Et puis les alimes de PS2 Slim, en général, elles se trouvent assez facilement sur les vide-greniers si vous cherchez bien. Donc voilà, on a fait le tour, voilà, de toutes ces rentrées. Ça fait une vidéo assez longue, je suis vraiment désolé. T'es crevé? Ah ouais, il est presque minuit, mine de rien. Presque minuit, donc on va s'arrêter là. En tout cas, merci. Il y aura d'autres rentrées ce mois-ci, mais on fera une vidéo plutôt à la fin du mois. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bon, il est crevé. Bon, allez, il faut que je le ramène maintenant. Mais bon, t'as vu, ça se décentre à chaque fois, quoi. Hein, voilà, bon, c'est pas grave. On va en rétro-jeu, mais à l'envers. C'est ça. On se met en mode rétro-jeu. Attends, c'est comme ça. Allez, merci de nous avoir suivis. Hein, merci à tous ceux qui like nos vidéos. Mais on s'en fout. Du whisky, mais c'est pas grave. Un petit scotch, du whisky, tranquille. Allez, ciao. Ciao.